mais pas maison. C'est vous qui êtes les enfants dans la tête. C'est vous, on peut mettre un scénario. Sus, envoie un lion. Arrête-moi tes petits cinémas là. Tu envoies un lion général. On va reprogrammer notre match. Mettez-moi les cœurs. Écrivez good life. Je ne vois pas les cœurs. Appelez-moi tout le monde, s'il vous plaît. Oh, je suis content. On vient à peine d'arriver au niveau de la Turquie. J'ai mal dans mes mollets comme ça. Oh là là. À cause de tous ces selfies, tous mes bilans de santé, la pensant que j'avais quelque chose qui déclenchait ça. J'ai découvert que c'était la fatigue. Le programme de Kimi nous a tellement fatigués, mais aujourd'hui, on est fiers, on est heureux de ce que Dieu a fait, les gars. On n'est même pas à 100 000 cas. Montons à 100 000 cas et appelez-moi ce petit Annabella, là, je vais le délivrer en direct. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je veux voir les cœurs monter. 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 Je veux voir les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je veux voir les cœurs monter abondamment. Juju, faites monter les cœurs, s'il vous plaît. Faites-moi monter les cœurs. Faites monter les cœurs. Petit, tu ne te respectes pas, hein? Comment ça arrive? Tu as une vilaine tête. Tu t'es pas bien coiffé. Ton téléphone, on dirait que tu es en train de filmer dans fumée. Et en plus, tu te mets torse nu. Petit, regarde la toiture de la maison où tu es. Petit, tu ne te respectes pas, hein? Petit, tu ne te respectes pas, on devient un sorcier. Non, mon petit, la sorcellerie, moi, je ne sais pas ce que ça vous donne. Moi, je ne sais pas ce que la sorcellerie vous donne. Moi, je ne sais pas ce que la sorcellerie la donne. Ça dit, tu es dans flou, le toit est bizarre. Toi-même, tu es bizarre, et puis tu lances invitation. Les gars, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Quelqu'un dit mon nom, il a envoyé 5 lions. Aboulaye Djibo, pardon. Prends les 5 lions là. Les 5 lions là. Faut aller construire une petite maison pour ta maman. Je te demande pardon. Moi, mais faut m'emmener le lion. Fais à coup de Dieu. Va donner ça à ta maman. J'ai pas besoin de ça. Les gars, mettez-moi les cœurs, partagez le direct. Mettez les cœurs, partagez le direct. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. D'abord, Kimi doit rentrer sur Paris. Kimi, tu dois rentrer immédiatement sur Paris. Voilà. Ton temps d'Abidjan est fini. Faut rentrer sur Paris maintenant. Voilà. Faut pas apprendre que dans 2 jours là, tu restes à Abidjan. Non, je me sens pas bien. Et va étudier. Voilà. On a fini. Va à l'école. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Quelqu'un dit te voir heureux nous rend heureux. Eh, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a fait le live de Kimi. C'était vraiment magnifique. Si vous saviez que la sorcellerie était en... Bah, les gens me posent les questions générales. Pourquoi tu es venu intervenir dans le live de ta fille? Moi, je les regarde, je ris. Nous, on sait ce qu'on voyait. Mais je ne vois pas les cœurs. Kim Marcos, Kim, je ne le vois pas. Pourtant, c'est mon premier live au niveau de la Turquie. Et j'avais beaucoup de choses extrêmement dangereuses à vous dire. Mais vous ne mettez pas les cœurs. D'abord, je précise que je suis en Turquie. Tous ceux qui sont au niveau de la Turquie doivent rapidement me contacter car il est fort probable que j'ai une rencontre avec tous ceux qui vivent en Turquie avant mon programme de la Belgique. Donc je répète mon WhatsApp à tous ceux qui sont connectés. Vous m'envoyez un message sur ce WhatsApp. Prenez mon WhatsApp pour ceux qui sont au niveau de la Turquie. C'est le 00337 44 17 67 09. Je pense que je vais arrêter le direct à cause de ma voix. Ma voix est en train de revenir, il ne faut pas y venir insister. Je vais encore la casser, l'aggraver encore. Donc, tous ceux qui sont au niveau de l'Europe et au niveau de la Turquie, s'il vous plaît, écrivez-moi maintenant sur ce WhatsApp. Quelqu'un dit, tu es où à Istanbul? Je suis à l'hôtel Ramada. Mais on quitte Istanbul aujourd'hui, demain. Demain, je quitte Istanbul. Je dois visiter tous les endroits où les premiers apôtres ont implanté une église au niveau de la Turquie, qui était l'Asie mineure. Donc, je vais tourner dans toute la Turquie dans 10 jours de jeûne et prière. Parce que je refuse qu'en 2024, tu puisses être l'échec de ta famille. Que cette année ne finisse pas sans que l'on puisse dire que toi, tu as été une bénédiction et tu as rendu un témoignage de grâce. Je prie pour tous ceux qui sont en train d'écrire Amen. Et je déclare que l'onction qui a localisé Kimi, qu'il a permis de vendre tous ses produits en 7 heures, que cette onction te localise afin que dans 7 jours, il puisse avoir un témoignage de gloire, un témoignage de grâce, un témoignage de puissance, un témoignage de victoire sur ta vie. Que tous
ceux qui ont prophétisé en disant que tu ne seras rien. J'annule leur prophétie aujourd'hui et je prophétise au nom de Jésus-Christ que la bénédiction et la grâce te localisent in the mighty name of Jesus. Je ne vois pas les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas assez de cœurs. Je ne vois pas assez de cœurs. Je rappelle mon WhatsApp. Tous ceux qui sont connectés, envoyez-moi un message pour dire, général, je veux ma prière et je veux mon cadeau. Tous ceux qui sont connectés, voici le numéro. C'est le 00337 44 17 67 09. Je vais prendre quelques appels uniquement que sur le WhatsApp. Je vais prier uniquement pour quelques personnes sur le WhatsApp à l'instant T où je parle. Le WhatsApp est le 00337 44 17 67 09. Je répète, 00337 44 17 67 09. La Bible dit, un homme a rencontré Jésus et dit à Jésus, dis une seule parole sur ma vie. Je vais dire une parole sur la vie de quelqu'un qui est connecté à cet instant précis. Je vais prendre une demande de prière. Je rappelle le WhatsApp. Vous m'écrivez direct, vous m'appelez directement sur le WhatsApp, s'il vous plaît. Flore, je te prends. Mettez assez de cœur, mettez assez de cœur. Je rappelle le WhatsApp, le 00337. Écrivez-moi, dit général, je veux mon cadeau et je veux ma prière. Allô? Allô, Flore, je t'entends pas. Allô? Flore, je ne t'entends pas. Je prends Fatima. Je ne vois pas les cœurs monter. Je rappelle le WhatsApp. Allô, Fatima. Oui, bonsoir, mon général. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur ta vie. Amin, Arabi. Ce soir, j'ai l'envie de parler à Dieu pour ta vie. Quel est le sujet de prière que tu veux que Dieu opère pour toi? Mon général, je suis du Burkina Faso. Moi, je fais du commerce. Je vends de la banane orange. Je fais beaucoup d'économies. Et il y a 4 jours, quelqu'un est venu me voler. Oh my God. J'ai besoin de votre prière. Je suis au nom de Dieu que la personne m'a détruit. Il ne t'a pas détruit. Tu sais, je vais te faire une révélation. La même femme qui a gagné cet argent, c'est toi, n'est-ce pas? Oui, mon papa. Si la personne t'avait tué, si la personne avait pris ta vie, la personne avait gagné. Mais la personne n'a pas pris ta vie. Ça voudrait dire que la même personne qui a gagné cet argent, elle peut encore regagner cet argent. Mais pendant que je suis en train de te parler, je vois comme au niveau de ta main droite, au niveau de ta main droite, le problème est vrai, il est physique, mais le problème aussi a une dimension spirituelle. Parce que dans le monde de la sorcellerie, du côté de ta mère, on ne veut pas que tu puisses garder l'argent de façon physique. Raison pour laquelle tu vas sentir à un moment donné que ton bras droit aura un problème, comme si tu as une douleur dans le bras. C'est spirituel, c'est mystique et c'est de la sorcellerie. Pendant que je parle, est-ce que tu peux prendre une bouteille d'eau maintenant? Tous ceux qui peuvent prendre une bouteille d'eau, prenez une bouteille d'eau. Maintenant, si tu as déjà commencé à ressentir un problème au niveau de ton bras droit, dis-moi en même temps pour que je puisse commencer à prier aussi pour ça. Parce que je vois comme son bras droit, ils sont attachés. Donc, à un moment donné, va sentir comme si son bras a une douleur à l'intérieur. Oh my God. On a signalé ce truc. Est-ce que tu as la bouteille d'eau? Oui, oui. Je vais prier pour toi et tu vas boire cette bouteille. Tu vas boire l'eau. Toute maladie et tout blocage en toi sera annulé au nom de Jésus. Éternel, je te recommande ta fille. Celui qui a pris cet argent, je lui donne 24 heures pour ramener son argent. Je maudis toute influence et toute œuvre démoniaque qui parle contre sa vie. Je le déclare au nom de Jésus. Tout envoûtement de la malédiction lancée contre elle est brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bois cette eau maintenant. Et écris-moi sur le WhatsApp que j'ai donné. Je rappelle le WhatsApp, s'il vous plaît. Bon, je vais arrêter parce que mercredi, je dois avoir un grand live. Il ne faut pas que je tue ma voix maintenant parce que je suis venu exactement au niveau de la Turquie pour 10 jours de jeûne et prière. Je suis venu jeûner pour des femmes comme maman Cathy, comme maman Hélène, comme les mamans qui soutiennent ma fille, tous ceux qui ont eu à payer un produit pour ma fille,
tous mes fils et toutes mes filles, je suis venu prier et jeûner pour ces personnes pendant 10 jours au niveau de la Turquie. Je tiens à vous dire merci pour tout ce que vous faites. Aujourd'hui, c'est juste un petit live. Je vais reposer ma voix. Et le mercredi, à partir de 20h GMT, 22h de Paris, nous aurons un grand direct ensemble. Je vais vous dire une chose. Nous sommes dans le cinquième mois. Quand vous lisez la Bible, David a pris 5 pierres avant de faire tomber Goliath. Le Goliath de votre vie va tomber dans ce mois de mai. Pendant les 10 jours, je demande à tout le monde d'être concentré. Nous, on aura 7 jours, vous et moi. Parce que lundi, mardi, je repose ma voix. Mercredi, nous commençons les lives tous les soirs. Même si nous sommes 100, même si nous sommes 200, je prierai pour des personnes en direct et en live. Parce que histoire de Camille Makoso, qu'on soit d'accord ou pas, il y a Dieu dedans. Parce que tout est fait avec le cœur. Donc ceux qui sont au niveau de Bruxelles, je vais vous donner le programme de la Belgique. Est-ce que je l'ai ici? Est-ce que je l'ai ici? Bon, tous ceux qui sont au niveau de Bruxelles, écrivez-moi directement sur le WhatsApp que je donne pour que je vous envoie la fiche et l'adresse. C'est le 00337. Je répète. Tous ceux qui sont sur le niveau de la Turquie, écrivez-moi pour que je puisse vous recevoir. C'est le 00337 44 17 67 09. Je répète, le 00337. Vous êtes au niveau du Bénin, peu importe, écrivez-moi maintenant sur le WhatsApp. Tous ceux qui sont au niveau de la Belgique, écrivez-moi sur le WhatsApp parce que le 25 mai, nous avons la grande convention de la Belgique où je dois vous remettre gratuitement le parfum de la mire. C'est le 00337 44 17 67 09. Je répète, 0030. Même si tu es au Gabon, il faut écrire. J'ai dit, tous ceux qui sont connectés, écrivez-moi sur ce WhatsApp. Faut pas vous allez faire gâter encore ma voix. 00337 44 17 67 09. Vous dites, général, je veux ma prière et je veux mon cadeau. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont aidé Kimi à atteindre son objectif. Principalement, maman Cathy, maman Hélène, que Dieu vous bénisse. Le grand corbeau, que Dieu vous bénisse puissamment et grandiosement. Je vous aime de tout mon cœur. Shalom. Mercredi, 20h GMT.